Chers élèves, bonjour. Je me présente, Magny Radouane, enseignant au lycée Habib Mazoun, Sfax, On va vous présenter le cours du chapitre 5, conique, réalisé avec mon collègue Makram Lefkri et encadré par notre inspecteur Mohamed Lefkri. C'est la quatrième séance. Je vous rappelle qu'on a présenté au premier et au deuxième séance le cours de la parabole. Et au troisième séance, mon collègue a commencé le cours de la deuxième partie, hyperbole. Il a défini l'hyperbole, puis il a passé à donner une équation réduite de l'hyperbole et à la fin de la séance, il va proposer un exercice d'application. Commençons cette séance par la correction de cet exercice. Il nous a donné une hyperbole d'équation x carré sur 4 moins y carré sur 9 égale 1. Et il a demandé de préciser les foyers et les directrices de cette hyperbole. Donc l'équation proposée x carré sur 4 moins y carré sur 9 égale 1 équivaut à x carré sur 2 carré moins y carré sur 3 carré égale 1. Tout simplement, il a remplacé 4 par 2 carrés et 9 par 3 carrés. Donc, notre équation H est de la forme x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale 1. Avec a égale 2 et b égale 3. Dans ce cas, la valeur de c égale racine de a carré plus b carré égale racine de 13. Et cette valeur C a une grande, grande importance que ce soit pour déterminer l'excentricité ou les foyers ou bien les directrices. Par suite, les foyers, puisque les de la forme x sur a carré moins y carré sur b carré égale 1, donc les foyers vont Prendre comme coordonnées C0 et le deuxième foyer moins C0, c'est-à-dire F de coordonnées racine de 13, 0 et F' moins racine de 13, 0. Les directrices D, dans ce cas, lorsque les de cette forme, l'équation, les équations des directrices sont X égale A carré sur C et moins A carré sur C. C'est-à-dire, en remplaçant le A et le C, on obtient D d'équation x égale à 4 sur racine de 13 et primes d'équation x égale à moins 4 sur racine de 13. Deuxième question. Je vous rappelle la question. Pour tout θ appartenant à moins pi sur 2 pi sur 2, on désigne par mθ c'est un point variable en fonction de réel θ. Le point d'affixe Z égale 2 sur cosθ plus 3i tangentθ. Montrez que mθ varie sur l'hyperbole H lorsque θ décrit moins π sur 2, π sur 2. On a mθ, un point d'affixe Z égale 2 sur cosθ plus 3i tangentθ. Donc sa partie réelle, c'est 2 cosθ, plutôt 2 sur cosθ. Et sa partie imaginaire, 3 tangent θ. C'est pour cela que mθ est de coordonnées 2 sur cosθ, 3 tangent θ. Pour montrer que mθ varie sur l'hyperbole, il suffit que ces coordonnées vérifient l'équation de l'hyperbole, qui est x carré sur 4 moins y carré sur 9, égale. 1. Donc, il suffit de remplacer x par 2 sur cosθ, le y par 3 tangent θ. Et on va essayer de faire un petit calcul pour avoir 1. Essayons. Donc, 2 sur cos theta carré sur 4, moins 3 tangentes carré sur 9 est égal. 2 sur cosθ donne 4 sur cosθ. Sur 4, simplification par 4 donne 1 sur cosθ au carré. Moins 3 tangentes carrées. 3 tangentes au carré donne 9 tangentes carrées theta. Sur 9, simplification par 9 donne tangentes carrées theta. Et on sait que 1 sur cosθ égale 1 plus tangentes carrées theta. Donc elle est égale. 1 plus tangente carré θ, juste on a remplacé 1 sur cosθ carré par 1 plus tangente carré, moins tangente carré θ. C'est clair que c'est égal à 1. Puisque les coordonnées de mθ vérifient l'équation de l'hyperbole, on dit que mθ varie sur l'hyperbole ou bien appartient à l'hyperbole lorsque θ décrit l'intervalle moins π sur 2. Pi sur 2. Troisième question. V le volume du solide de révolution engendré par la rotation de l'arc M0, Mpi sur 3. M0 désigne le point Mθ pour θ égale 0. Mpi sur 3 désigne le point Mθ aussi pour θ égale π sur 3. Donc on répète soit le volume du solide de révolution engendré par la rotation de l'arc M0, pi sur 3 de la courbe H autour de l'axe des abscisses. La question montrer que ce volume égale 24pi. On rappelle, Mθ, le point d'affixe, Z égale 2 sur cosθ plus 3i, tangent θ. Donc Mθ, 2 sur cosθ. 3 tangente θ comme coordonnées. Pour θ égale 0, remplaçons θ par 0. Cos 0, c'est cos 1, donc c'est 2. Tangente 0, c'est 0, donc 0. M0 de coordonnée de 0. Et pour θ égale pi sur 3, le cos pi sur 3, 1 demi. Donc 2 sur 1 demi, c'est 4. Et tangente pi sur 3, égale racine de 3. Donc, l'ordonnée égale 3 racine de 3. On va illustrer ces deux points sur l'hyperbole. Donc, là la, la partie en rouge, c'est l'hyperbole qu'elle a proposé dans l'exercice. La partie colorée en rouge, c'est l'arc considéré. C'est-à-dire l'arc m0 m pi sur 3 l'arc m0 m pi sur 3 et la représentation graphique de la restriction à l'intervalle de 4 de la fonction fkx à pour image 3 racine de x carré moins 4. Alors d'où vient cette équation, tout simplement, notre équation de l'hyperbole est x carré sur 4 moins y carré sur 9 égale 1. En calculant y carré, on obtient, elle est égale à 9 quarts, y carré égale 9 quarts facteur de x carré moins 4. Donc le y va être soit 3,5, racine de x carré moins 4, soit moins 3,5 racine de x carré moins 4. Pourquoi on a pris 3,5 racine de x carré moins 4 Parce que l'arc, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc cet arc représente, c'est une partie, ou bien on dit, c'est la représentation graphique de la restriction de la fonction f qui a x associé 3,5 racine de x carré moins 4 à l'intervalle 2, 4. 2, 4. Le premier point, point c'est M0, d'abscisse deux. 2. Le deuxième point, c'est 1 pi sur 3, d'abscisse 4. Donc l'intervalle sur lequel est représenté cet arc, c'est 2, 4. C'est pour cela qu'on a dit que l'arc M0, MP sur 3 est la représentation graphique de la restriction à l'intervalle de 4 de la fonction f qui a x associé 3 demi racine de x carré moins 4. Donc quand vous avez le volume égal, pi intégrale de 2 à 4 f carré de x dx. Donc remplaçant le f carré, on obtient... Pi, l'intégrale de 2 à 4, 9 quarts facteur de x carré moins 4 dx. Donc on a produit 9 quarts fois x carré moins 4, et 9 quarts c'est un constant, indépendant de x. Donc je peux le mettre en dehors de l'intégrale. C'est une propriété de l'intégrale. On obtient 9 pi sur 4. Et comment on calcule les intégrales? Vous savez bien, c'est à l'intermédiaire des primitives. Quelle est alors la primitive de x carré C'est 1 tiers x cube. La primitive de moins 4, c'est moins 4x. Et on remplace l'intégrale par les crochets entre 2 et 4. Et comment on calcule En remplaçant la valeur de 4, moins. Et en remplaçant par suite la valeur de 2, on obtient 24 pi et entre parenthèses, unité de volume. Commençons maintenant par la troisième paragraphe de, ce, de cette partie concernant les hyperboles. Cette troisième partie dans cette troisième partie, on va déterminer la tangente à une hyperbole et les asymptotes à une hyperbole. Commençons par une première activité, page 104. L'énoncé. Dans le plan muni d'un repère autonormé OIJ, on considère l'hyperbole H d'équation x sur a. Moins y carré sur b carré égale 1. Montrez qu'un point m de coordonnées x y appartenant à h si et seulement si. Y égale à b sur a racine de x carré moins a carré. Ou y égale à moins b sur a racine de x carré moins a carré. Donc notre équation, x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à 1. Elle est équivaut à dire. Y carré égale B carré sur A carré facteur de X carré moins A carré. Donc, simple transformation. Elle est équivaut à dire, en passant à la racine, on obtient soit Y égale B sur A racine de X carré moins A carré, ou bien Y égale moins B sur A racine de X carré moins A carré. D'où notre résultat. Deuxième question. On désigne par h1 et h2 les courbes représentatives des fonctions. La première, on peut la considérer comme f1, qui x associe b sur a racine de x carré moins a carré. Et la deuxième, ax associe moins b sur a racine de x carré moins a carré. Petit a, montrer que l'hyperbole h. C'est la réunion des deux courbes, H1 et H2. On commence par le dernier résultat qu'on a fait dans la première question. On a dit que chaque fois vous avez un point M de coordonnées XY appartenant à H, c'est équivaut à dire que Y égal b sur a racine de x carré moins a carré ou y égale moins b sur a racine de x carré moins a carré. Vous pouvez remarquer que y égale à b sur a x carré racine de x carré moins a carré c'est l'équation de la courbe H1. Et y égale à moins b sur a racine de x carré moins a carré c'est l'équation de la courbe H2. Donc, et on écrit... Et qui va dire que M soit appartient à H1 ou M appartient à H2. Donc, et qui va dire que M appartient à H1 union H2. En langage ensembliste, on peut remplacer le OU par union. Je vous rappelle aussi, on peut remplacer le E par intersection. Ainsi, la courbe H, c'est H1 union H2. La question B. Montrez que les droites d'équation Y égale à B sur A X et Y égal à moins B sur A X sont les asymptotes H. AH. Bien, c'est un peu d'analyse. On a H1, la courbe de la fonction F1, qui a X associé B sur A racine de X carré moins A carré. Pour montrer qu'une droite d'équation Y égale AX plus B est une asymptote à une courbe au voisinage de plus l'infini ou bien au voisinage de moins l'infini, il suffit de calculer la limite de la f de x moins ax plus b. Et cette limite doit être égale à 0. C'est ce qu'on va faire ici. On n'a pas présenté le calcul, mais on va donner le résultat. Pour dire que delta est une asymptote à la courbe h1 au voisinage de plus l'infini, tout simplement en calculant la limite de f1 de x moins b sur a x quand x tend vers plus l'infini. Cette limite, elle est égale à zéro. De même pour delta prime, Pour qu'elle soit une asymptote à la courbe h1 au voisinage de moins l'infini, il suffit de calculer la limite de f1 de x plus, pourquoi ça devient plus? Et en principe moins, mais on a moins ici. Moins, moins B sur A, X devient plus b sur a x. Et cette limite, avec un peu de calcul, quand x tend vers moins l'infini, elle est égale à bien à 0. Tau pour H2. H2 et la symétrie de H1 par rapport à la droite OI. Je reviens à l'autre page. Bien. H1, plutôt H2 et H1. Donc c'est clair que F1 égale à moins F2. F1 égale à moins F2, c'est que les deux courbes sont symétriques par rapport à... Oui. Donc, delta est une asymptote à la courbe h2 au voisinage de moins l'infini, et delta prime est une asymptote à la courbe delta h2 au voisinage de plus l'infini. Ça se renverse. Tout simplement pourquoi Car delta et delta prime sont symétriques par rapport à OI. Je rappelle, delta d'équation Y égale à B sur a, x et delta prime d'équation Y égale moins B sur a, x. Donc c'est clair qu'ils sont symétriques par rapport à la droite des abscisses. Conclusion. Les deux droites delta Y égale à B sur AX et delta prime Y égale à moins B sur a x sont deux asymptotes à la courbe de h. Donc les asymptotes, ce sont des éléments caractéristiques pour une hyperbole. Petit c, soit m0 de coordonnées x0, y0, un point de h. Montrez que la tangente à h en m0 a pour équation xx0 sur a carré moins yy0 sur b carré égale 1. Bon, il y a un peu de calcul ici. Essayons de vous concentrer un peu. m0 de coordonnées x0, y0. Appartient à H et qui à dire que M0 appartient à H1 ou M0 appartient à H2. Avec H1, c'est la courbe représentative de la fonction F1 qui a X associé B sur A racine de X carré moins A carré. Et H2, la courbe représentative de la fonction qui a X associé moins B sur A racine de X carré moins A carré. Puisqu'il parle. D'une équation d'une tangente, on a besoin de la fonction dérivée de chacune des deux fonctions f1 et f2. Donc f'1 de x est égal b sur a fois x sur racine de x carré moins a carré. Allez-y. On s'arrête un peu. Vous avez b sur a constant racine de x carré moins a carré c'est une fonction radicale la dérivée d'une fonction racine je pense que vous le savez elle est égale u prime si on considère la fonction racine de u sa dérivée c'est u prime sur 2 racines de u u prime sur deux racines de u. C'est-à-dire la dérivée de ce qui est sous la radicale sur deux fois la radicale. On va essayer de l'appliquer. Ce qui est sous la radicale, c'est x carré moins a carré. Sa dérivée, 2x en principe. 2x en principe sur deux fois la racine de x carré moins a carré. Donc, il y en a une simplification par deux, on obtient b sur a fois x sur racine de x carré moins a carré. De même pour l'autre, c'est exactement pareil, f'2 de x égale moins b sur a fois x sur racine de x carré moins a carré. Par suite, la tangente à h en m0 est. Si elle appartient à un H1, l'équation c'est y égale f'1 de x0 fois x moins x0 plus f1 de x0. Dans le cas où m0 appartient à H2, la tangente est d'équation y égale f'2 de x0 fois x moins x0 plus f2 de x0. On remplace tout. C'est-à-dire f' de 1. De x0, je remplace par b sur a x0 sur racine de x0 carré moins a carré fois x moins x0. Donc cette quantité représente exactement f 1 de x0 fois x moins x0 plus f de x0, plutôt f1 de x0. F1 de x, c'est x associé b sur a racine x carré moins a carré. De même. Pour la deuxième équation, y égale f prime 2 de x 0 moins b sur a x 0 sur racine de x 0 moins x 0 carré moins a carré fois x moins x 0 plus, en principe, f 2 de x 0 et f 2 de x 0 c'est moins b sur a racine de x 0 carré moins a carré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir les deux équations suivantes Tout simplement, on a multiplié les deux membres de l'égalité par racine de x0 carré moins a carré, de part et d'autre. Donc, y fois racine de x0 moins a carré, x0 carré moins a carré, b sur a. En multipliant par racine de x0 carré moins a carré, la racine va être simplifiée. Fois x0, fois x moins x0, fois racine de x0 carré moins a carré, racine fois racine, donc au carré, ça simplifie, euh, la racine va être disparue, et on obtient x0 carré moins a carré. De la même manière, et le même travail, avec la deuxième équation, en multipliant aussi par les deux membres de l'égalité, par racine de x0 carré moins a carré. On obtient, je vais le lire, y fois racine de x0 carré moins a carré égal moins b sur a x0 fois x moins x0 moins b sur a x0 carré moins a carré. Bien. Vous avez bien remarqué que l'équation elle était simplifiée le maximum possible. Pourquoi Tout simplement on a remplacé la racine de x0 carré moins a carré par a sur b y0. Ce racine de on l'a remplacé par A sur B, Y0. On développe B sur A, X0 fois X. B sur A, plutôt moins B sur A, X0 carré. B sur A, X0 carré. Donc, il y a une simplification par B sur A, X0 carré. Et b sur a fois moins a carré donne, en simplifiant par a, moins b sur a. De la même manière ici, racine de x0 carré moins a carré dans la deuxième fonction, elle est égale moins a sur b, y0. Égale, on développe aussi, moins b sur a, x0 fois x. <laughs> Moins b sur x0, x0 carré, fois x0 plutôt. Toi, les moins b sur a, x0 carré. Donc, moins par moins, ça donne plus. Et moins b sur a, x0 carré, ça se simplifie. Moins fois moins, ça donne plus. b sur a, fois a carré, donne b sur a. Vous avez vu qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a déplacé le a sur b y, y, y0 y dans ce membre et le moins b sur a dans l'autre membre. Qu'est-ce qu'on obtient? B sur a x fois x0 moins a sur B, Y moins Y, Y0 égale, le moins B sera, je le transforme dans notre membre de l'égalité, devient AB. De même ici, on va établir le même travail, mais on va rapporter moins B sera X fois X0 dans le membre à gauche, égale A fois B. Enfin, On va diviser tout par a fois b. Si on divise ba sur ab, on obtient sur a carré. De même ici, on obtient sur b carré. Et par suite, x fois x0 sur a carré moins y fois y0 sur b carré égale à. De la même façon ici, on obtient la même équation. Donc l'équation de la tangente. Que soit on a fait avec la première équation de la courbe ou bien avec la courbe H2, toujours on obtient une équation de la tangente de la forme x fois x0 sur a carré moins y fois y0 sur b carré égale 1. On va récapituler tous les résultats qu'on a démontrés dans l'activité 1 dans ce théorème. Lisons le théorème ensemble. Toute hyperbole admet en chacun de ses points une tangente. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ, soit H, une hyperbole et M0 de coordonnées X0, Y0. Ce tableau va comporter l'équation d'une tangente dans chacune des deux cas de l'équation d'une hyperbole. Dans le cas où H a pour équation x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale 1. Et m0 de coordonnées x0, y0, l'équation comme on a fait dans l'activité devient x fois x0 sur a carré moins y fois y0 sur b carré égale 1. Séparé lorsque H a pour équation moins x carré sur a carré plus y carré sur b carré. Donc c'est l'équation de la tangente au point M0 moins xx0 sur a carré plus y0 sur b carré égale à 1. Deuxième théorème. Toute hyperbole admet deux asymptotes. Le plan est rapporté à un repère autonomé Oij. On va considérer deux hyperboles. L'hyperbole H d'équation x carré sur A carré moins y carré sur B carré égale à 1. Et H' d'équation moins x carré sur A carré plus y carré sur B carré égale à 1. Tout en conservant. A positif et B positif. Dans les deux cas, que ce soit avec H ou bien H', toujours les droites delta et delta prime d'équation Y égale à B sur A X et Y égale à moins B sur A X sont les équations des asymptotes à chacune des, des hyperboles H et H'. Un cas particulier. H d'équation x carré sur a carré moins y carré sur a carré égale à 1. Quelle est la particularité ici? Tout simplement, on a pris le a égale à b. Les asymptotes de H, puisque A, a égale à B, donc ce rapport va être égal à 1 et ce rapport va être égal à moins 1. D'où les équations des asymptotes sont d'équation, delta d'équation, y égale à x et y égale à moins x. C'est remarquable que les asymptotes sont perpendiculaires. Et on dit, dans ce cas, que h est une hyperbole équilatère. Son excentricité, la formule de l'excentricité d'une hyperbole, c'est racine de a carré plus b carré. Alors, l'excentricité égale à combien? En principe, ça manque le A, A racine de 2. Une hyperbole est dite équilatère lorsque A égale B, d'une façon générale. Activité d'application. Préciser les asymptotes et donner une équation de la tangente T à l'hyperbole H au point A, dans chacun des cas suivants. Premier exemple, H d'équation x carré sur 4 moins y carré sur 9 égale à 1, et A de coordonnées 2 racines de 2, 3. Et H, comme deuxième exemple, d'équation moins x carré sur 5 plus y carré égale à 1, et le point A de coordonnées 2 moins 3 sur racines de 5. Commençons par le premier exemple. L'équation de H, que x carré sur 4 moins y carré sur 9 égale à 1, prend la forme de x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à 1. Ou a c'est 2 et b 3. Donc les asymptotes sont les droites d'équation. Si on, on revient au théorème, il m'a dit. Delta B sur A et delta prime B sur A, X, ou Y égale moins B sur A, X. Si on applique B sur A et moins B sur A, donc Y égale 3,5 de X et delta prime Y égale moins 3,5 demi X. Ça, c'est pour les asymptotes. Maintenant, pour la tangente au point A. Le point A appartient à H. C'est clair. Tout simplement, on remplace les coordonnées de A dans l'équation. Donc si on remplace X par 2 racines de 2 au carré, c'est 8. Si on remplace le Y par 3 au carré, c'est 9. Donc 8 sur 4, 2. Moins 9 sur 9. 1, 2 moins 9, c'est 1. C'est bien. A de coordonnées 2 racines de 2, 3. Appartient à H. Appliquons alors le théorème pour déterminer l'équation de la tangente à H au point A. Donc, la tangente T à l'hyperbole H au point A et appliquant la formule interne, xA fois x sur 4 moins yA sur y sur 9 égale 1. Remplaçons xA par 2 racines de 2. Ya par 3, on obtient t d'équation 2 de racines de 2x sur 4 moins 3y sur 9 égale 1. On peut le conserver sous cette forme. Comme on peut la mettre sous forme réduite. y égale ax plus z. Avec un petit calcul, on trouve t d'équation y égale 3 racines de 2 sur 2x. Moins 3. Le deuxième exemple, c'est pareil. C'est exactement pareil. Tout simplement, à quoi est égal le A ici C'est racine de 5. Le B, c'est 1. Donc, elle prend la forme de moins x carré sur racine de 5 carré plus y carré sur 1 carré égale à 1. Donc, le A, c'est racine de 5, le B, 1. Donc, les équations des asymptotes sont 1 sur racine de 5x, y égale 1 sur racine de 5x, et delta prime, y égale moins 1 sur racine de 5x. Pour la tangente, c'est la même chose. L'équation prend la forme de moins xA fois x sur 5 plus yA fois y égale 1. Et on remplace les coordonnées de A. Tu peux la conserver telle qu'elle est, comme tu peux la mettre sous forme réduite. Mais de préférence, de la mettre sous forme réduite. Quatrièmement, équation d'une hyperbole rapportée à ses asymptotes. Ça veut dire quoi rapporter à ses asymptotes c'est-à-dire l'équation de l'hyperbole dans un nouveau repère, ses axes sont les asymptotes de l'hyperbole. Activité Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. H une hyperbole d'équation x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à 1. Delta et delta prime, ces asymptotes, donnaient une équation de H selon le repère R prime. On a conservé le centre, plutôt l'origine, et on a remplacé le I et le J par U et U prime. C'est quoi U et U prime U, c'est un vecteur directeur de delta, et U prime, celle de delta prime. On sait que les équations des asymptotes sont delta d'équation y égale à b sur ax et delta prime y égale moins b sur ax. Je pense que vous le connaissez. Le vecteur directeur, plutôt un vecteur directeur à delta, u est de composante AB. et un vecteur directeur de delta prime et u de composante a moins b. Soit m un point du plan tel que m de coordonnées XY, dans le repère R, le même point de coordonnées grand X grand Y dans le repère R prime. R' c'est quoi C'est le repère d'origine O et des vecteurs unitaires U et U'. Tant que M de coordonnées grand X, grand Y dans R', qui est d'origine O de vecteurs U et U', vectoriellement, on peut écrire OM égale X fois U plus grand Y fois U'. Avec OM, les composantes du vecteur OM sont X et Y, petit x et petit y. Pourquoi Parce que M dans le repère R de coordonnées petit x, petit y. Et grand X U plus grand Y U' est de composantes U. On a dit que c'est AB. Multiplions par grand X. Il donne A grand X, B grand X. Le U' de composante A moins B, multipliant le par Y, donne A, Y moins B, Y. Sommant les deux vecteurs, on obtient X fois U plus Y fois U' de composante A grand X plus A grand Y, B grand X moins B grand Y. Les deux vecteurs sont égaux. Les composantes sont égaux. Qu'est-ce qu'on obtient Le petit x égale a grand x plus a grand y, ou bien a en facteur grand x plus grand y. Deuxième composante est égale deuxième composante et petit y égale b grand x moins b grand y, ou bien en mettant b en facteur, b facteur de grand x moins grand y. Selon r, on a... H d'équation, petit x carré sur a carré moins petit y carré sur b carré égale 1. Et selon R' maintenant, H a pour équation, tout simplement, on va remplacer le petit x par sa valeur, qui est a fois grand x plus grand y, au carré donne a carré facteur de x carré x plus y, le taux au carré sur a carré. Même chose, on remplace le petit y par b, grand x moins grand y, on obtient b carré, grand x moins grand y au carré sur b carré. Donc simplifiant par a carré et simplifiant par b carré dans le premier rapport et le premier rapport, on obtient x fois y égale 1 quart. Grand X et grand Y, rappelons-nous, sont les coordonnées du point M dans le repère R'. Et le point M, c'est un point de l'hyperbole. Théorème, Tout hyperbole rapporté à ses asymptotes A pour équation, à son accent bien sûr, de la forme grand X fois grand Y égale K, avec K, un réel non nul. Si on revient, au résultat. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat dans notre exemple Grand X, grand Y égale un quart. Bon, ce 1 quart change. Ce n'est pas fixe. On dit dans le cas général comment il change souvent suivant l'équation. Suivant l'équation. Donc, on rappelle, on reprend le théorème tout hyperbole rapportée à ses asymptotes, A pour équation, donc A sans accent, de la forme grand X, grand Y égale K, avec K un réel non nul. Activité d'application. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Gamma, l'ensemble des points M de coordonnées XY du plan tel que moins 25X plus 16Y plus 50X moins 64Y moins 361 égale 0. Première question, montrer que gamma est une hyperbole dont on donnera le centre, les sommets, les foyers, les directrices, les asymptotes et l'excentricité. Deuxièmement, construire gamma. Troisièmement, soit à un point de gamma d'abscisse 4 d'ordonnée négative, donner une équation à gamma au point A. Commençons par la première question. Gamma, ensemble, donné par son équation. Montrer que gamma est une hyperbole et donner ses caractéristiques. Je pense que vous avez remarqué que l'équation proposée n'est ni de la forme x sur a plus y, moins y sur b égale à 1, ni de la forme moins x sur, sur a plus y sur b égale à 1. Qu'est-ce qu'on va faire alors On va la rendre réduite. On va essayer de la rendre sous forme réduite. Comment En déterminant les formes canoniques en x et la forme canonique en y. Donc m de coordonnées x, y appartient à gamma et qui voit dire que moins 25x2 moins 2x, moins 25x2 plus 16y, carré, on reprend cette égalité, puis on va revenir et dire comment on l'a trouvé, plus 16 y carré plus 50x moins 64y moins 361. Ce moins 361, je vais le déplacer dans l'autre membre de l'égalité. Les x ensemble et les y ensemble. Les x ensemble me donnent moins 25x carré plus 50x. Les y à côté, 16y carré moins 60y, 64y entre Moins 25x et 50x, je remarque qu'il y en a, je peux mettre moins 25 au, au, en facteur. Donc, moins 25 facteur de x carré moins 2x. De même, je peux mettre 16 en facteur et j'obtiens 16 facteurs de y carré moins 4y. Égal 361. Donc, x carré moins 2x, début d'un produit remarquable. y carré moins 4y, début aussi d'un produit remarquable en y. Qu'est-ce qu'on obtient donc et qui va dire le x carré moins 2x. En principe, sa forme canonique, c'est x moins 1 au carré moins 1. Pour y carré moins 4y, c'est y moins 2 au carré moins 4. En multipliant par 20, moins 25, j'obtiens moins 25 fois x moins 1 carré plus 25, parce que j'ai déjà moins 1. Moins 1 fait le moins 25, c'est plus 25. Y carré moins 4y, j'ai dit que c'est y moins 2 carré moins 4. Multipliant par 16 donne 16 fois y moins 2 carré moins 64. Égale 361. Alors on va garder les produits remarquables et on va déplacer les constantes de l'autre côté. Et on va faire la sommation avec 361. On obtient Moins 25x moins 1 au carré plus 16y moins 2 au carré égale. En principe, vous allez trouver 400. Divisons tout par 400. Moins 25 sur 400 donne sur 16. Et 16 sur 400 donne sur 25 égale 1. Donc vous pouvez me remarquer maintenant, presque c'est la forme de l'équation d'une hyperbole d'équation moins x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. C'est pour cela qu'elle va dire à moins, 20, moins x carré, plutôt grand x carré sur 16, plus grand y carré sur 25 égale à 1, avec le grand x remplace le x moins 1, le grand y remplace le y moins 2. Donc grand x égale x moins 1 et grand y égale y moins 2. On considère le point oméga de coordonnées 1, 2. Selon le repère R' oméga et j, l'ensemble gamma a pour équation moins x carré, plutôt moins grand x carré sur 4 au carré, plus grand y carré sur 25, ou bien sur 5 au carré égale 1. Donc gamma est une hyperbole d'excentricité E égale C sur B. Pourquoi C sur B? Parce que tout simplement, l'équation de la forme moins x carré sur a carré plus y carré sur b carré. Et le c, on sait bien que c'est égal à racine de a carré plus b carré. A carré plus b carré, c'est-à-dire 16 plus 25. C'est 39. Et le b, c'est 5. Les caractéristiques. De l'ensemble gamma ou bien de l'hyperbole gamma, sans le centre, sommet, foyer, directrice et asymptote. Allez-y. Le centre, puisque dans R', elle prend la forme de moins x carré sur 4 carré plus y carré sur 5 au carré égal à 1, donc le centre, c'est l'origine du repère qui est oméga. Omega donc de coordonnées 0, 0 dans le repère R'. Les sommets, puisqu'elle est de la forme moins X sur A, carré plus Y carré sur B carré égale 1, les sommets sont 0B. S' 0, moins B. Les foyers, 0C, 0, moins C. Les directrices, B carré sur C, grand Y, moins B. Carré sur C. Les asymptotes, delta et delta prime, B sur A, plutôt grand Y égale B sur A, grand X, et grand Y moins B sur A, grand X. Si on rapporte selon le repère R au J, on doit utiliser le système grand X égale X moins 1 et grand Y égale Y moins 2. En remplaçant le grand X, et le grand Y à chaque fois par les coordonnées proposées. On obtient alors l'oméga 1, 2, les sommets 1, 7, S' 1, 3, les foyers 1, 2 plus racine de 39, 2, plutôt F' de coordonnées 1, 2 moins racine de 39, les directrices, le grand Y, je vais le remplacer par Y 2, Y moins 2 égale, le 2 se déplace. De l'autre partie de l'égalité, on obtient petit y égale à 2 plus 25 sur racine de 39. De la même manière ici, y égale 2 moins 25 sur racine de 39. Les asymptotes, le grand y toujours, on le remplace par y moins 2 et le grand x par x moins 1. Dans les deux équations, on obtient les équations sous forme réduite, delta y égale à 5 quarts x plus 3 quarts et delta prime moins 5 quarts x. Plus 13 quarts. Construction de cette hyperbole. La même remarque qu'on a fait pour les paraboles. Les hyperboles, pour les construire, on doit commencer par les sommets. On obtient les sommets dans le tableau. Le premier sommet, c'est 1 moins 7, euh, plutôt 1, 7 et 1, moins 3. Puis, on choisit x et on calcule y. Ici, c'est pareil parce que le x et le y sont les deux au carré. Donc, que ce soit je choisis le x ou bien le y, c'est de la même façon. Les asymptotes, la première. C'est delta prime y égale moins 5 sur x, moins 5 quarts x plus 13 quarts. Et l'équation de delta, 5 quarts x plus 3 quarts. Et le centre, oméga. Troisième question, soit A un point de gamma d'abscisse 4 d'ordonnée négative. Donnez une équation de la tangente A gamma au point A. Tout d'abord, on va chercher les coordonnées de A. L'abscisse claire, mais l'ordonnée n'a pas donné sa valeur, mais il a donné une renseignement qu'il est négatif. Donc, commençons par chercher l'ordonnée de A. La courbe gamma a pour équation moins x moins 1 carré sur 16 plus y moins 2 carré sur 25 égale à 1. Le point A de coordonnée 4y qui appartient à gamma et y négatif et qui vaut à dire on remplace le x par 4. 4 moins 1, 3, au carré, 9. Ça devient 9 sur 16. Je le déplace de l'autre côté. Et on multiplie par 25. On obtient y moins 2 carré égale 625 sur 16. Mettons la racine. On obtient y égale moins 17 sur 4 ou à la y égale 33 sur 4. Et on a une renseignement sur les y qui est négatif. Donc, le a est de coordonnées 4 moins 17 sur 4 dans le repère R. Après avoir donné les coordonnées de a, on va déterminer une équation de la tangente à h, en A, ou bien à gamma, en A. On a a de coordonnées 4 moins 17 sur 4 dans le repère R. Donc, a de coordonnées 3 moins 25 sur 4. D'où viennent ces coordonnées, toujours avec le système qu'on a. Grand x c'est petit x A moins 1 et grand y A c'est y A moins 2 avec grand x A y A sont les coordonnées de A dans le repère R'. Avec un petit calcul, on remplace xA par 4, 4 moins 1, 3. Remplaçons petit y A par moins 17 sur 4, moins 2 donne moins 25 sur 4. L'équation de la tangente, puisque gamma est d'équation moins x carré sur 4 carré plus y carré sur 5 carré égale à 1 dans R prime, donc la tangente à gamma en A est d'équation moins 3x sur 4 carré d'où vient ce 3, 3 c'est x de A plus moins 25 sur 4 d'où vient c'est l'ordonnée de A, Y de A fois Y sur 5 carré sur Égale sur 5 au carré égale à 1 dans le repère R'. Maintenant, pour revenir au repère R, il suffit de remplacer grand X par X moins 1 et grand Y par Y moins 2. On obtient moins 3 fois X moins 1 sur 4 carré, plus moins 25 sur 4, Y moins 2 sur 5 carré égale 1. On peut la conserver comme on peut la mettre sous forme. Réduite un peu de calcul, on obtient y égale moins 3 quarts x moins 5 quarts selon le repère R. Merci pour votre attention. Cette séance est achevée. À la prochaine.